これが俺の問答無用天下無敵の雷獣シュートだ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est lundi 3 juin 2019, c'est l'anniversaire des 2 ans sur Captain Tsubasa Dream Team version Jap. Donc on a la chance avec Captain Tsubasa d'avoir 2 anniversaires, donc au mois de juin et au mois de décembre. Donc là c'est l'anniversaire des 2 ans de la Jap, ça fait 1 an et demi donc la Glo, donc ça sera 2 ans pour la Glo au mois de décembre. Ils sont magnifiques, regardez-moi ça, c'est magnifique. Les vrais maillots de la World Youth, avec les flammes derrière. Ils ont réussi à avoir les droits et tout, non, franchement, c'est magnifique. Il y a des choses qui fâchent, il y a des choses qui font plaisir, on va voir ça tout de suite. Waka bleu, mais ça, on va voir ça tout de suite. Donc j'ai pas beaucoup de son. Là, je suis revenu sur mon premier téléphone, le Xiaomi, pour... avoir une image fluide, etc. etc. Et voilà. Donc, non, franchement, il y a plein de choses. Aujourd'hui, ça va être une grosse vidéo. Je vais faire peut-être même quelques invocations, parce que le mixeur est enfin revenu. Le mixeur est là, ça fait plaisir. Il y a un nouvel event, un point, je crois. Bon, il y a des nouveaux joueurs, bien évidemment. Il y a un step-up. Voilà, mixeur, le step up, donc comme d'habitude 270 Dream Ball pour aller au bout. Donc elle est ticket bien évidemment, donc là il y a la boutique super bonne à faire, t'as mal à la tête. Il y a un événement, je crois qu'il y a des tickets aussi, je crois que c'est à 4 tickets, donc 3, 4, 5 et 50% d'avoir un SSR, événement, voilà, il est là. La grosse mise à jour, coupe Japon et Amérique du Sud, donc match en ligne, donc ça c'est... Ok, d'accord. Auto-interception, auto-bloc, d'accord. Ça, à mon avis, ça, c'est des corrections de bugs. Donc, voilà. Ok. D'accord. Événement. Donc, ça, c'est campagne. Ah, donc, il y a une campagne. Alors, on va voir ce que c'est, la campagne des 2 ans. On va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, oui, d'accord. Des récompenses. Ok. Récompenses. Pendant 5 jours, tu peux effectuer chaque jour un recrutement. Ah, donc chaque jour tu auras le droit. Ah, ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Tu as le droit à une multi. Les Dreamfest sont dedans. Et le 5e jour, le dernier jour, multi garantie. Enfin, SSR garantie, pardon. Excusez-moi. SSR garantie avec tous les Dreamfest dedans. C'est un truc de ouf. C'est un super cadeau, ça. Faudra la date, c'est un super cadeau. Donc, alors, à chaque fois, tout drop. Donc, premier, non, 50%, pas les 4, 5, 5, d'accord. Donc, les 3 premières, c'est pas, bon, il y a des petits taux de probabilité. L'avant-dernière est 50% et la dernière 100%. Ok, donc c'est magnifique. Donc, on a des récompenses. Ok, donc, premier jour, badge, deuxième anniversaire, donc bon, c'est sympa, tu mets... À côté de ton prénom, c'est sympa. Demain, 22 Dream Ball, ça fait plaisir. Le maillot du Japon, le 3e jour. Oh non, 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 non. Ticket R plus le 4e jour. Je sais pas combien. Ah, ils vont donner 3 tickets. Après, tu as des coachs à 5 coachs UR, ça c'est pas mal. Des médailles, 50 médailles. Deuxième anniversaire. Donc, à mon avis, ça c'est les events. Non, mais il y a trop de trucs à voir aujourd'hui, c'est un truc de ouf. 22 Dream Ball le 11e jour, 3 tickets R plus encore. Ça, je pense que je vais les claquer à la fin du... Je sais pas, on va voir. Et un ticket SSR au bout du 15e jour. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ok, ça fait plaisir. Donc cadeau pour tout le monde. 50 Dream Ball en cadeau. Avec un sentiment de gratitude. Ok, ouais, bah oui, vu les taux de drop que tu nous as donné, ça, c'était sûr que tu allais nous donner des cadeaux. Donc liste de cadeaux. Donc scénario, quotidien, limitation... Alors, qu'est-ce qu'il remporte le match en poche? Donc, il y aura des médailles. Ça j'avais deviné qu'il y aura des médailles deuxième anniversaire. Et je pense qu'il y a un shop qui va avec. Je pense qu'il y a un shop qui va avec. Mission quotidienne. Non, il y a beaucoup de choses à beaucoup trop de choses à voir. Il y aura des joueurs potentiels. Eh, mais cette vidéo va être n'importe quoi. Cette vidéo, c'est trop de trucs à voir. Allez, on va fermer ça et on va voir l'introduction. Yuga, ok, 1990, donc juste avant la Coupe du Monde en France.
Tsubasa Ojora. Oh le ballon! Ah, c'est le ballon de la Coupe du Monde 94! Le ballon noir! Je crois que c'est ça! Ah, magnifique le ballon noir! Ah, ouais, c'est ça! C'est le maillot, c'est le ballon de la Coupe du Monde 94! Pardon, je dis 94! Aux États-Unis! D'accord, ok. Donc, la première vague, le Tsubasa bleu, franchement, j'aime pas. Parce que je m'en. Ça m'énerve parce que. Ça m'énerve parce qu'il est toujours bleu et ça m'énerve. Il n'y a jamais de rouge et ça m'énerve. Donc, il donne à tous les joueurs japonais bleu 17%. Nouvelle méta, ça va être n'importe quoi. Il prend 15% s'il y a plus de joueurs. Donc, plus il y a de joueurs bleus, et plus il prend 15%. Donc, en fait, il peut prendre jusqu'à 30%. 32%. Juste comme ça. Hein. Donc, si ce n'est plus. Donc, derrière, encore, c'est un autre joueur qui donne exactement le même team skill. Ça peut monter très, 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 très haut. Je vous laisse voir Mitch quand sortira la vidéo. Donc, voilà. Donc, arrêt. Et c'est la technique divine. 365. Ça va, coûte pas trop cher. Donc lui, avec au moins 8 joueurs japonais bleus, il prend 15%. Enfin, il donne 15%. Et zone de sûreté, il prend 15%. Voilà. Si tu tires en surface, il prend 15%. Donc comme le Waka Rouge World Cup, j'aime beaucoup ce passif. Je vais pas te mentir, c'est un passif de ouf. Donc tir foudroyant sans égal. Donc il est invincible. Raiju Shoot, c'est la traduction en anglais. J'aurais dû le laisser comme ça même en français. Voler, d'accord. S, voler, sauter du tigre foudroyant. Et passe du tigre au foudre. Donc, Raijin, pas ça. Donc, grâce à la vidéo de Begito qui avait mis les leaks vocaux, voilà. Et il y avait bien le Raijin passe. D'accord. 21 000. Alors, non, mais il y a trop de trucs à avoir. Coup. Donc, plus il y a d'argent, c'est bon. Il a la même passif que le Tsubasa World Youth vert et le Santana World Youth. Attention avec votre Dream Ball, les amis, ça va durer longtemps sur le mois. Il y aura les Brésiliens qui vont venir derrière, ça c'est obligatoire. Il y aura peut-être même les Mexicains, je suis pas sûr. Il y aura peut-être les Uruguayens vont revenir. Donc s'ils sont sur l'arc World Juice, donc ça va jusqu'au Brésil. Donc attention à votre Dream Ball. Ça va être dur. Donc lui, il a un éveil du potentiel, le Mizugi défenseur rouge. 21 364 en défense, ça a l'air pas mal. Donc il y a un tac, une interception, une passe feuille mort. Donc quand il lit bien, bonne lecture du jeu, il prend 50%, ça c'est pas mal du tout. Donc ils ont un team skill assez spécial. Le Haka il donne à tous les Japs, n'importe quel Jap, n'importe quel arc, 12%, ça c'est pas mal du tout. Personne ne peut me battre en marquage individuel. Un tacle S qui coûte assez cher, je trouve. 465, c'est très très cher. Interception agressif et contre de l'épaule. Il a 23 752 en défense, c'est n'importe quoi. Et il a un éveil du potentiel. En gagnant un duel, cache pleine puissance plus 25%. Alors là, je comprends pas. Cache pleine puissance. Okay. Il a une interception automatique. Zone centrale et surface de réparation, d'accord. Okay. Il tire un tir de jour suédois et seulement de technique de tir. Wow, c'est n'importe quoi. Donc, 7 paliers. Donc, comme d'habitude, vous savez les paliers. Hein, tac, tac, tac. Troisième palier, 50% dans la SSR. Quatrième palier, et ça garantit n'importe quel SSR dans le jeu. Je crois qu'il n'y a pas les. Par contre, il n'y a pas les Dream Fest, il n'y a pas les Dream Co, bien évidemment. Et le dernier step up, la dernière marche, un joueur bannière garanti. Il peut en avoir même deux. Voilà. Et à partir du 7e palier, on revient à 0. Mais là, par contre, il n'y a déjà plus de palier. D'accord. Tac, tac. Une fois, d'accord. Okay, ça, je le sais. Okay. Non, c'est n'importe quoi, les amis. C'est du grand n'importe quoi. On va récupérer les cadeaux, on va voir. Alors, donc là, on a le premier cadeau. Donc, comme je vous ai dit, il y a 5 tickets. À récupérer donc 3%, 4, 5 et 50 et c'est ça garanti avec les Dream Fest dedans. Ça fait très 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 bien. Je ferai ça en vidéo à part tranquillement. C'est pour ça, abonnez-vous à la chaîne
pour ne rien rater des vidéos du Letico. Ah, elle est magnifique. C'est la copine de Matsuyama. C'est qui? Non, Yayoi, c'est Mizugi. C'est Mizugi. Elle, c'est. Ah, j'ai oublié son nom. J'ai oublié. Je l'ai oublié. Ok. Alors, voilà les récompenses. On l'avait vu tout à l'heure, le troisième jour, le maillot World, il est magnifique. Il est magnifique. Et en plus, encore un petit KSSR garanti le 15e jour. Là, c'est parti, les gars. Là, c'est parti. Hein. 22. Vous savez pourquoi 22? Parce que à l'époque, en 97-98, je crois, on avait le droit qu'à 22 joueurs, je crois. Je crois qu'en 94, on a le droit à 22 joueurs. Je crois que c'est à partir de 98 que la FIFA a autorisé un 23e joueur. Donc, c'est peut-être pour ça. Ou peut-être 22. Magnifique, ça avec le maillot de Tsubasa derrière. Peut-être 22 pour les 2 ans. Donc 2-2, donc peut-être pour les 2 ans. Voilà. Une médaille, ok. Ah non, mais il y a trop d'actu à traiter aujourd'hui. C'est entre les joueurs, les events, les mixeurs, c'est bon. Je pense que tout ce qui est recrutement, je le ferai à part les amis. Parce que là, je peux pas tout faire dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui arrivera juste derrière, je pense. Donc il y a 5 dribbles. Ah, suite à un dysfonctionnement, ça c'est pas mal. Récompense Captation. Ah oui, donc ça c'est pas mal. Purée, on a reçu 15 dribbles comme ça, gratos, ça fait plaisir. Et ben, on accepte tout. On accepte tout. Hop. Donc c'est pour ça que je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, le mixeur, c'est sûr que je vais le faire. Ça, c'est ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, on va voir l'event. On va voir l'event. Hop. Puis apparemment, il dure 10 jours, je crois, le recrutement. Donc voilà, donc il y a. Ah, voilà. Donc pendant une fois, tu as des récompenses et après, bon, bah après, tu as le. Ok, donc ça, c'est un peu comme d'habitude. Ok, ça, c'est comme d'hab. Ils n'ont pas encore ouvert les vues du potentiel des nouveaux joueurs. Par exemple, hop, voilà. Donc, il y a une Dreamhall à récupérer. On va voir le marché. Donc, je pense qu'il va y avoir des pièces or, bronze et des bronzes. Attendez que je regarde. Bon, ça va se finir bientôt. Hop. Ils nous ont remis les World Cup 2018. D'accord, pour ceux qui l'auraient loupé, c'est maintenant les gars. Vous serez matché, voilà, si tu veux. Le Akai, je l'ai celui-là. Je l'ai. Le Morizaki. Vert. Pourquoi pas? Peut-être que je le prendrai pour la collection. Le Jito. Je crois que je l'ai celui-là, le Jito. Je l'ai. Il n'y a que ça, hein? Non, mais attends. J'espère que c'est que cet événement-là. L'autre événement, j'espère qu'il y a d'autres cadeaux. Attends. Je pense qu'il y a deux shops. Peut-être qu'il y a deux shops. Hein. Attendez, je regarde. Je crois que non, je crois qu'il n'y a pas que deux. Non, non, non. Donc là, on va voir l'autre. Hop. Attends. Détail. Pourquoi il n'y a pas de shop? Peut-être c'est le même shop, peut-être. J'en sais rien. On remporte le match en poche des joueurs des éditions illimitées. Donc là, il y a. Il y a du Tsubasa, il y a du Ishizaki, il y a du Sano. Donc voilà, ça va être les joueurs gratuits, ça. Golden Joe C, passe-feuille morte, volante C, gros tacle C, Tsubasa. Ok, bon, c'est les joueurs gratuits, hein, c'est pas. Voilà. Il a des compétences potentielles, ok, si tu veux. Le Ishizaki Golden Duo avec un point d'interrogation. Ok, c'est les joueurs gratos, ça c'est les joueurs coffre. Pourquoi pas, faut voir qu'est-ce qu'il donne. On tac passe du visage, c'est. Voilà. C'est pas terrible, hein. C'est pas là-dessus qu'on va. On va se tuer la tâche, les amis. Hein. Ok, fermé. Ok, bon, allez, on va aller voir les joueurs maintenant. On va détailler tout ça. C'est la dernière, là, ça y est, c'est la hype, c'est la hype, c'est la hype. Je vois qu'il y en a qui sont un peu dégoûtés sur Twitter, encore déjà, bah forcément les gars, ça m'engage à.
Mais attendez, ça va venir doucement. Calmons-nous, calmons-nous. 13 jours, hein. Même le mixeur 13 jours, ça fait plaisir. Répertoire joueur. Donc, si je dis pas de bêtises, il y a Tsubasa, Yuga, Wakabayashi, Mizuki. Je crois que c'est ça. Hein. Avec le Tsubasa, on va voir, ça prend. L'animation de l'aspect n'est pas terrible, terrible. Enfin, une sorte de lob. Mais je crois que c'est la frappe qu'il met comment ça s'appelle? Contre l'Uruguay. La frappe, cette frappe-là, je crois que c'est l'animation contre l'Uruguay. Collection. Normalement c'est ça, si j'ai une bonne mémoire. Si j'ai une bonne mémoire, c'est ça. Allez, on va le voir. On se trompe pas de Tsubasa. Donc ça c'est le gratuit, voilà, avec le coffre. Et le invocable, il est là. Hop. Ah, on pourra. Ah, le. Ah d'accord, ok. Ok, d'accord. Putain, elle est magnifique la carte derrière avec les flammes et tout. D'accord, donc le joueur C, on va pouvoir l'évoluer comme le Mizugi à l'ancienne. Donc on pourra le monter UR max, évolue du potentiel. Pourquoi pas? Bon, après, il faut que l'SP monte aussi. Il ne faut pas qu'elle reste C. On va le voir tout à l'heure, mais elle va durer longtemps cette vidéo. 1049 en endurance, c'est n'importe quoi. 19 970 en attaque. 6002 en dribble, c'est bien. 7004 en tir, c'est sympa, mais c'est pas un truc de fou furieux. 6002 en passe, sympa, mais c'est pas un truc de ouf. Comment dire? Défense 13 000. 5 000 en tacle, c'est sympa, le contre, laisse tomber. Et interception 5003, ça va, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un énorme Tsubasa celui-là, c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est bon dans les balles basses et hautes. Hop. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, tous les joueurs bleus, ils donnent 17%. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, tous les Japs, même des World Cup et tout, tu fais une équipe Jap bleue, ça y est, c'est n'importe quoi. Déjà que la bleue était très très forte, mais là, c'est n'importe quoi. Donc, plus il y a de bleu, et plus il prend des stats, et il prend jusqu'à 15%. Voilà. Il prend 1,5% par joueur bleu, si je dis pas de bêtises. Donc, super long tir de la feuille morte volante. C'est très très long maintenant les titres. 430, passe feuille morte volante 230, S interception ailée 315. Tu peux lui mettre des dribbles, etc. etc. Tu peux lui mettre plein de choses. Ça, je vous laisse regarder avec Mitch qui va vous conseiller sur quoi faire avec le Tsubasa. Le Tsubasa gratuit qu'on pourra évoluer jusqu'à UR max potentiel. On va regarder celui-là, comme ça c'est plus intéressant. De toute façon, c'est le dernier. Pas mal. Excellent passeur, déjà je vois 619 en endurance, donc bon, voilà, c'est pas terrible. 19 000 en attaque, c'est pas mal pour un joueur gratuit, hein, c'est pas mal. Par contre, c'est un passeur, voilà, c'est un passeur. 5 667 en dribble, 6 050 en tir, c'est pas trop mal. 7 000 en passe, il me fait beaucoup penser au World Youth vert du tout début, quoi. C'est, on dirait lui, quoi, c'est un truc de ouf. Hop. Golden New, ah oui, donc ouais, donc l'SP ne monte pas, donc il va falloir peut-être lui enlever l'SP C et lui mettre des SP A, voire S si vous avez beaucoup de doublons, et pourquoi pas. Donc passe feuille morte volante, gros tac et Golden New, je suppose, avec Misaki. Bon, les bacs, les amis, ça a frisé, voilà, bienvenue dans mon ancien téléphone, donc voilà, super, là, magnifique. Le nouveau Yuga Vert. Tout est en fusion, hein, je vous le dis tout de suite. Yuga Vert attaquant, bien évidemment. 1003 endurance, 21 393 en dribble, en attaque, pardon. 7006 en dribble, 8100, allez, 8002 en tir. C'est pas le plus gros tireur, si je dis pas de bêtises. Je crois que maintenant les frères Tachibana Fest le dépassent. Mais c'est une dinguerie. Et l'animation de l'aspect est magnifique. Hein. L'animation de l'aspect du nouveau Raiju Shoot, elle est magnifique. C'est un truc de ouf. Passe 5000, donc on va éviter de faire des passes. Peut-être, ouais, dribble et tir, c'est pas mal. Défense 5000 en tac, bon, contre, c'est pas avec lui que tu as contré. Et interception non plus, donc que tacler. Pour la défense. Physique, rapidité 5000. Puissance 6008, donc il faudra peut-être le limit break au niveau là pour que ça peut être sympa pour être en adéquation avec le tir.
technicité et tir haut et bas, enfin ballon bas et ballon haut, normal. Alors, il a le tigre, il a le Raju Shoot invincible, c'est comme ça qu'il le met en anglais. Voler, sauter du tigre foudroyant S et passe du tigre foudroyant. Donc que du foudroyant, que du Raju partout. Raju passe, Raju dribble, Raju. N'importe quoi. Mais bientôt il y aura le Raju dribble. Je vois bien venir celui-là. Mais c'est un attaquant de ouf. Celui, il commence à... il est fou. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ce que sont Tsubasa, World Youth vers anniversaire, anniversaire, et le Santana World Youth Brésil. Ils ont le même passif, ils ont le même passif que ce Yuga là. Dès le début du match, tu peux trouver des gardiens. Dès le début, plus il a d'endurance et plus l'intensité de sa spé prend 20%. Et bien évidemment, plus l'endurance baisse, plus l'intensité de la spé baisse. Lui, il donne à 8 voire plus de japonais vert. Et je crois qu'il prend combien lui? 17 je crois? 15%. Donc il faut qu'il y ait 8 joueurs japonais verts dans l'équipe, n'importe quel arc, hein, du World Youth, ce que tu veux, du World Cup et tout. Donc il faut que vraiment une équipe verte Jap, pour qu'il soit vraiment optimisé le joueur. Non, non, il est très fort, très 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 fort. Là je pense qu'on n'est pas loin d'avoir le meilleur attaquant vert du jeu. Hein. On n'est pas trop loin là, je crois que ça y est, il est en train de dépasser tout le monde. Les Verts qui voulaient vraiment des attaquants très 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 forts, là je pense que ce Yuga World Youth anniversaire, ils vont être servis, hein, je pense. Le Waka bleu, enfin les mecs l'attendaient, le Waka bleu, il est là. Et en plus c'est un catcher, c'est même pas un puncher, tout le monde disait Waka bleu Hambourg, qui est puncher, et ben non les gars, et ben non. Il est là, il est magnifique. Plus ce dessin-là, je le connais très bien, ce dessin-là, c'est ce capte-là. On peut noter aussi qu'ils ont eu les vrais maillots Adidas. Mais je crois dans nos souvenirs, c'est Asics peut-être. Il bon, faudra vérifier ça sur Google Images. Waka, bleu, enfin. Coup de poing 9012. Arrêt 9, on va dire 9005. Donc très très fort en coup de poing, très très fort en arrêt. 17780 en physique, 4008 en rapidité, 6161 en puissance et 6821 en technicité. Très fort. 930 en endurance, c'est un petit peu dommage parce que j'aime bien les joueurs qui dépassent les 1000. Donc là, bon, il va falloir le limite break bien comme il faut. Bien, il a le même passif que le World Cup 2018, ce Wakala. Ouais, il prend 20% et là, ça peut faire des gros. 15%, pardon. 15% et là ça peut faire des petites différences qui sont très sympas. Et il donne à si vous avez une chip bleu Jap, il vous faut 8 joueurs minimum, voire plus, et il prend jusqu'à 15%. Donc voilà. Donc c'est craqué. Je pense qu'il y aura d'autres joueurs qui vont donner ces mêmes team skills là. Donc tu peux monter très très haut avec ça. Hein. Tu peux monter très très haut avec ça. Et tu peux faire du 45%. Lui prend plus 20%, ça nous fait du quoi 45-65%. Si tu tires en dehors d'un surface de réparation, ça peut faire très mal. Hein. Bon, je laisse Mitch faire les calculs, mais c'est un truc de ouf. Donc, il a un capte S-365, il a un punch S-170 et il a un punch A-160. Je vous suggère de prendre le coup de poing S. Il y a juste 10 d'endurance de plus, quoi. C'est pas un truc de ouf. Donc le coup de poing, ouais, le coup de poing. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit catch C ou un coup de poing C au cas où s'il y a un petit tir blanc. Un petit tir blanc comme ça, tu as envie de te prendre la tête. Ou un tir de très très loin, donc tu mets un petit C40 coup de poing farmable. Ça peut faire le café. Très très fort. Très très fort et très très complet. Très complet ce Waka. Magnifique. Il est là. Il était là. Donc, 1, 2, 3, 4. Il manque un joueur. Ah, bah, c'est le Hakai. Attends, je crois que c'est le Hakai. Ouais, il manque le. Ouais, ouais, c'est le Hakai, je crois. C'est le Hakai. Le Mizugi. Le nouveau Mizugi rouge défenseur. Alors, Mizugi, il est là. En plus, éveil du potentiel. On va voir directement l'éveil du potentiel, hein, direct.
967, c'est faible. Bon, quand tu connais le joueur qui est fragile au niveau cardiaque, il n'y a pas de problème. 13 600 en attaque. Bon, attaque, on va pas trop détailler. Par contre, on va détailler les caractéristiques défensives. Et là, ça peut être très sympa. 7 500 tacles, 7 758 en contre. Très, très bon. Très, très, très homogène au niveau de tacle et contre. Ça peut être très pas mal. Ça peut être même pas mal du tout, même. 6 100 en interception. Donc voilà. Donc, là, on a très, très fort. Balle basse, bon, et balle haute, normale. Sinon, physique 6 000 en rapidité, puissance 5 000 et technique 6 008. Ok. Alors, lui, exactement comme les autres, donc il faut qu'il y ait des joueurs Jap rouge. Il prend 15% encore, donc n'importe quoi. Et s'il lit bien comme le Jito Dream Collection, il prend 50% sur ses stats. Donc ça peut être n'importe quoi. Si vous devenez un dribble, faites un tacle, vous la prenez. Vous la prenez, je vous le dis tout de suite, vous la prenez. La balle, vous la prenez, direct. Tacle technique, d'ailleurs, on parle du tacle. 405, magnifique interception de 280. Il faudrait peut-être lui mettre le contre du Dream Fest. Si vous avez le Dream Fest en doublon, là, peut-être qu'il faut lui mettre le contre. Le contre S, c'est pas mal. Il va falloir même lui mettre. Oui, il faut lui mettre le contre S, ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de contre, vous voyez bien, il n'a qu'un tacle, une interception A et une passe A. Donc, si tu as le. Ou au moins, je sais pas, bon, je connais pas tous les misogis du jeu par cœur, mais il faut absolument te mettre un contre S. Voilà. Mais tu mets lui un contre S si t'as un misogi doublon. C'est le moment, les mecs. Là, c'est le moment de lui mettre un petit contre S des familles. Ça fait plaisir. Ah oui, on n'a pas vu les éveils. Attends. Du potentiel. Là, peut-être on est sur l'un des meilleurs défenseurs rouges du jeu. Là, on n'est pas trop loin. Je pense que. Voilà. Donc, en gagnant un duel, cage pleine puissance, donc ça, je sais pas ce que c'est. Il prend 2% de son équipe, résistant à diminution des paramètres et maître de la zone centrale. Donc, on dirait qu'il a le même passif que le Pierre World Cup, 10% de plus. En fait, c'est pour la relance. Par exemple, si tu récupères le ballon avec Mizugi, tu montes un petit peu, tu vas vers le rond central, tu fais une relance, t'as un boost. Donc, bon, c'est un peu bizarre parce que c'est pas un milieu défensif. Ça aurait été bien s'il était double poste. Mais pas mal, très sympa ce milieu. Très 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 sympa. On va aller voir le Akai. Donc, normalement, Akai est avec les Italiens. Si je dis pas de bêtises, il est pas loin des Italiens. Il est là. Allez. Et après ça, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là parce que là, la vidéo commence à être plus longue. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo invocation. Donc lui aussi a le droit à un éveil du potentiel. Ah, la carte est magnifique. En plus il est rouge aussi. Donc tu mets lui et comment il s'appelle, et le Mizugi, pas mal. 1195, un truc de ouf en endurance. Waouh, c'est un truc de ouf. 11 863 en attaque, pardon. Donc bon, très faible hein. En attaque, c'est pas avec lui que tu vas faire quoi que ce soit. Par contre, en défense, c'est un truc de ouf. 7 337 en tac. 8 535 en contre. Interception, presque 7 009. Waouh! Oh purée, en plus, il est double poste, quoi. Putain de merde. Excusez-moi, hein, mais c'est un truc de ouf là ce qui se passe. Mais je pense que son meilleur placement, ce serait en défense centrale. Parce qu'il a un contre. En contre, c'est un monstre. En contre, c'est un monstre. C'est incroyable. Il est incroyable ce joueur. Il donne à tous les Japs, il donne à tous les Japs 12%. Donc là, il n'y a pas de problème de je sais pas quoi. Tous les Japs, n'importe quelle couleur. Rimbo, il n'y a pas de souci. Et la cage pleine puissance, 25%. Donc je sais pas exactement ce que c'est. Donc si vous le savez, commentaire, comme d'habitude. Il a un tac 465 très, 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 très lourde. Voilà pourquoi il a beaucoup de stam. Mais elle coûte très, très cher. C'est quasiment le prix d'une frappe quoi, pour un attaquant. C'est un tacle qui doit faire très très mal. Interception agressive A et un contre de l'épaule A. Donc il faudrait peut-être lui trouver un contre S. Il lui faut absolument un contre S, les amis. Si vous avez un contre S, si vous avez un Akai doublon, comme le Mizugi, il faut lui mettre. Tu lui mets et voilà. À part si tu montes bien le contre de l'épaule à 80, mais là à 315,
faut taper dans du S là. Là faut taper, parce que là les joueurs sont de plus en plus puissants et là un S99 face à un 80, je pense que ça passera quand même, mais pour être sûr tu mets un contre S. Là faut mettre un contre S les amis. Mais il est ouf ce Hakai. Ok, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc c'était une vraie vidéo vraie en présentation de la nouvelle mise à jour de Captain Tsubasa Dream Team, les World Youth. Et je pense que cet anniversaire-là va clôturer le World Youth. Là, je pense que là, c'est le bouquet final en fait. Ça va être le bouquet final. Et après, on ne parle plus de World Youth. On passe sur du. Ben, on va passer, je pense, sur Road to 2002. Et voilà. Donc, ça va être la dinguerie, les amis. Ça va être la dinguerie. Pensez à vous abonner à la chaîne. Très important. À mon Twitter, très important. Et il y a aussi un event Tsubasa IRL sur Paris le 7 juin. Je compte sur vous. C'est gratuit. Donc si tu veux tout savoir, tu vas sur mon site, tu vas sur mon compte Twitter. J'ai mis toutes les infos pour t'inscrire. C'est gratuit, je le répète. Ou sinon, tu vas voir la vidéo de Atsushi et de Mitch. Ils ont fait une belle vidéo. Ils présentent bien l'événement. C'est le 7 juin 2019 à Paris, à l'EP7, près de, dans le métro François Mitterrand, bibliothèque François Mitterrand. Un super endroit, franchement. Si tu es sur Paris que tu peux venir, n'hésite pas à venir, ça sera sympa. Je vous laisse là-dessus, amis. Je vous embrasse et on se donne rendez-vous pour la vidéo spéciale craquage recrutement. Je vous kiffe et faites très attention à vos Dream Balls, amis. Faites très attention, je vous kiffe. À la prochaine. Ciao.